Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Ça y est, tout le monde est là. Alors, un petit tour rapide, simple, qui se rapproche un peu de jeu, plus ou moins rayon X, mais en plus light, plus rapide. Et alors, c'est David qui m'a donné ça, parce qu'on s'en fait beaucoup par téléphone en ce moment. Et lui, il a eu en gratuit sur le net, donc j'ai rien inventé. Mais j'ai voulu mettre mon petit truc à moi parce que ce qu'il m'a fait c'était bien, mais on comprenait trop rapidement, c'était facilement compréhensible. Donc j'ai préféré changer un petit peu. Pour ceux que ça plaît, ben, faites-vous plaisir. Alors Jérôme, regarde bien, toi tu l'as pas encore vu, des jetons, d'accord. Étant donné que tu vas les mélanger et que tu vas en prendre un au hasard et que tu vas coller une pastille, ça veut dire que et surtout que je serai retourné, ça veut dire que les jetons sont tous identiques parce que je ne pourrais pas reconnaître lequel tu as choisi. D'accord ? Je suis d'accord. Donc tu prends n'importe quel jeton, tu les mélanges, tu colles ta pastille, alors ça je me suis entraîné, hop. Tu colles ta pastille dessus. Ah voilà, il y a un gimmick. Il y a un gimmick. Donc ils sont tous pareils, examinés. Non mais moi j'ai compris que si tu me fais coller n'importe où... Ils auraient été de couleurs différentes, ça revenait au même. Exactement. De toute façon, s'ils sont retournés, une fois que tu as remarqué, pardon, voilà, ton truc dessus, tu marques ton nom et tu le retournes. D'accord. Donc, étant donné qu'ils seront retournés, comme je disais, je ne pourrais pas savoir s'il est là ou là. Mais toi, tu dois savoir où il est, comme ça, c'est bien. Donc, si une fois que tu l'as fait, tu le places où tu veux, là. Voilà. C'est bon ? Ça me paraît extrêmement honnête. Voilà. Un stylo, une pastille, des jetons. Donc tu le colles n'importe où. Et une fois que tu l'as collé, tu écris. Alors je colle n'importe où. Et je ne regarde vraiment pas, ni dans un miroir, ni dans une caméra. Donc c'est vraiment. Vous ferez ça au hasard, n'importe où. N'importe et une comment. Fois que j'ai collé. Vous êtes au restaurant, vous sortez 5 pièces en euros ou en ce que vous voulez. Voilà. Des capsules de coca, ce que vous voulez. J'en fais quoi maintenant que j'ai écrit ? T'as écrit ton nom ? Oui. Tu retournes ? Je le retourne. Et tu mélanges et tu le places où tu veux. Alors, je le place où je veux. Tac, regarde pas. T'es pas obligé de le montrer à la caméra, comme ça fera du suspense. Voilà. C'est bon ? Oui. Tu sais où il est ? Je sais où il est, oui. Allez. Donc il peut être n'importe où. Ah, tout à fait. Ah, attention, je me concentre. Il y a écrit sur ton jeton Jérôme. Ouais. Ah, belle ouais. Amélioration. Ah, putain, ça c'est exceptionnel. C'est déjà pas mal. Ah, là, ça me scie. Là, on le voit pas, mais. C'est déjà pas mal. Donc, imagine, il est en première, ou en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième. On va faire comme si qu'il était en troisième. Ok. Tu prends trois jetons et tu les passes comme ça. D'accord. D'accord ? S'il est en deux, tu fais ça. Ok. Mais tu peux faire. 1, 2, comme ça, une par une. Oui, t'es pas obligé de faire. Ce qui revient au même. Non, mais je vais le faire par bloc. Tu fais comme tu veux. On ne sait jamais, ça t'évitera peut-être de compter le nombre de. Je serai retourné, donc tu le feras une seule fois si tu veux. 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok. Mais je ne veux pas savoir. Tu le remettras comme tu veux, bien aligné, bien droit, comme tu veux. Et moi, je vais essayer de deviner où il est. Je te vois venir d'écouter le nombre de fois que je passe les jetons. C'est pas le style de la maison. Ouais, non, mais on sait jamais, donc je vais le faire un seul bloc. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. C'est très simple. Allez. Et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, ce qui traîne, des jetons, des capsules de coca, des sous-bocs à bière, n'importe où, en impromptu, c'est ça qui est bien. Ils prennent un sous-bocs à bière, ils font une croix, ils le mélangent et toi, tu sais où il est. D'accord. Je vais essayer. Allez. Oups là, je vais faire un bordel. Hop, attends, c'est quoi, je vais tous les mettre comme ça. C'est bon. C'est vrai que si tu me dis où il est, c'est balèze. C'est sympa. C'est bon. C'est bon. J'y vais direct ou. Tu sais où il est, toi ? Bah, absolument pas. J'ai même pas suivi quand t'as. Il est pas là ? Non. Il est pas là ? Il est pas là. Ah ah, suspense. Et il est pas là. Tadam ! On l'a bien vu. Ouais, j'avais Jérôme. J'avais c'est joli. Voilà, c'est simple, c'est rapide, vous pouvez. C'est bien. Alors, je vois que c'est simple parce que t'as absolument pas. Comme j'ai pas comment de tu sais qu'il est là ? En réfléchissant. C'est vrai que c'est balèze quand même. Parce que je peux le mettre où je veux. Donc, comment, même que toi, que tu me montres un exemple, mais bon, tu pourras en déplacer deux, comme trois, comme quatre, même que t'en déplaces, comment tu peux savoir où il est ? Non, c'est simple. Ben non, mais c'est balèze. Hein. Voilà.
À moins qu'il se trouve toujours à la même position, mais ça m'étonne. Non, tu peux le refaire. Mais non, c'est pas possible si j'avais choisi. Tu peux le refaire et il se placera n'importe où. À n'importe quel endroit. Ça peut changer à chaque fois. D'accord. Disons, c'est. Oui, ça peut changer. Ça change à chaque fois. Ça sera jamais, 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 jamais le même. Et je vous dirai pourquoi dans l'explication. C'est-à-dire que si vous le faites 5 fois, il sera jamais au même. Mais à coup sûr. D'accord. Même s'il le met 5 fois au même endroit. C'est-à-dire, s'il le fait 5 fois et pour t'embrouiller, qu'il le met toujours au milieu, ben les 5 fois, il sera jamais au même. C'est comme ça. Oui, après, ça dépend comment tu mélanges. Ah, moi, je fais rien, moi. Voilà, non, explication. C'est pas mal. Allez, explication. On va même pas couper, on va enchaîner directement avec l'explication. C'est parti, on y va.